80% des jeunes Français souhaitent un jour être propriétaires de leur résidence principale. Mais comment faire pour financer son premier achat immobilier? Est-ce intéressant d'acheter dans le neuf et comment trouver son futur logement? Je suis Leïla, banquier patrimonial chez SG. Et je suis Benjamin, expert en investissement patrimonial chez SG Immobilier Patrimonial. Nous allons répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser sur votre prochain achat immobilier dans le neuf. On commence avec la question de Franck. J'aimerais acheter mon appartement, comment savoir si c'est le bon moment? Franck, j'aimerais dire à mes clients que c'est le bon moment aujourd'hui, ou peut-être demain ou dans 6 mois, mais je n'ai pas de boule de cristal. Bien entendu, le contexte économique joue un rôle important. Et il vaut mieux viser un moment où les taux des crédits et les prix de l'immobilier sont bas. Mais votre situation personnelle est tout aussi déterminante. Avez-vous une situation professionnelle stable, avec un revenu fixe et régulier? Avez-vous une capacité d'endettement suffisante? Et avez-vous l'intention de rester au même endroit dans les années à venir? Quand vous aurez fait le point sur vos projets de vie et que vous serez prêt à devenir propriétaire, nous serons là pour vous accompagner et faire grandir vos idées. On enchaîne avec la question de Samir, et pour y répondre, je passe la main à Benjamin. Où trouver des annonces pour acheter dans le neuf? Vous avez le choix, Samir. Il y a bien sûr les sites d'annonces immobilières sur lesquels vous pouvez filtrer vos recherches. Vous pouvez également contacter les agences immobilières et les promoteurs de votre zone de recherche. Enfin, et ça va probablement vous étonner, vous pouvez interroger votre conseiller bancaire SG. Il pourra vous mettre en relation avec un expert de SG Immobilier Patrimonial. C'est la filiale du groupe Société Générale, spécialisée dans la vente de logements neufs, que je représente. Nous travaillons avec plus de 40 promoteurs immobiliers. Nous pouvons vous proposer un très large choix de biens en France avec des projets terminés, en cours ou à venir. Et cerise sur le gâteau, les clients SG ne paient pas de frais d'agence immobilière. Place maintenant à la question de Lisa. Est-ce qu'on peut faire un prêt à taux zéro quand on achète dans le neuf? Oui Lisa, vous pouvez faire un prêt à taux zéro pour un achat dans le neuf. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un prêt sans intérêt. Il offre la possibilité de financer jusqu'à 50% du coût total de l'opération d'achat de votre résidence principale dans la limite de certains plafonds. Mais il y a des conditions pour accéder à ce prêt à taux zéro. Tout d'abord, il ne faut pas avoir été propriétaire de sa résidence principale durant les 2 dernières années précédant la demande de prêt. Il y a également un plafond de ressources à respecter qui varie selon le type de bien, le nombre d'occupants du logement et la zone où celui-ci est situé. Enfin, ce prêt doit obligatoirement être accompagné d'un prêt immobilier classique. Renseignez-vous auprès de votre conseiller bancaire, il serait dommage de ne pas en profiter si vous êtes éligible. Passons tout de suite à la question de Margot. Combien puis-je emprunter? Le montant maximum que vous pouvez emprunter auprès de votre banque, c'est ce qu'on appelle la capacité d'emprunt. Pour la calculer, la banque tient compte de vos revenus, de vos charges et crédits en cours, de la durée et du taux du prêt immobilier à obtenir, du taux d'endettement maximum qui a récemment été fixé à 35%. Pour estimer votre capacité d'emprunt, vous pouvez utiliser les simulateurs sur Internet. Sollicitez également votre conseiller bancaire pour un calcul plus précis. Je passe la main à Benjamin pour répondre à la question de Thomas. Est-ce que le neuf est plus cher que l'ancien? Oui Thomas, le prix au mètre carré est plus élevé dans le neuf. Toutefois, la comparaison n'est pas aussi simple. Le neuf n'est pas qu'un prix au mètre carré. Il faut également prendre en compte le coût d'acquisition et le coût d'usage sur le long terme. Prenons l'exemple de ce qu'on appelle couramment les frais de notaire. Sachez qu'ils sont moins élevés dans le neuf, entre 2 et 3% du prix d'achat, contre 7 à 8% dans de l'ancien. Ils sont même parfois offerts par le promoteur. Et si vous achetez dans le neuf, vous avez a priori pas ou peu de travaux à réaliser. Alors que dans l'ancien, vous pouvez avoir de mauvaises surprises. Au final, les coûts entre le neuf et l'ancien sont répartis différemment. Mais le coût total de l'investissement est assez proche. Place à la question de Sarah. Quels sont les avantages du neuf? L'avantage du neuf, c'est que vous bénéficiez automatiquement des dernières normes de construction. Et souvent, de meilleures prestations que dans l'ancien. Par exemple, une meilleure isolation thermique et phonique, des espaces de vie optimisés où chaque mètre carré est utilisé efficacement, et souvent, un espace extérieur, un balcon, une terrasse ou un jardin s'il s'agit d'une résidence. Voici une nouvelle question de Claudio. Est-ce qu'on peut négocier le prix dans le neuf? Oui Claudio, c'est moins commun que dans l'ancien, mais vous ne perdez rien à essayer. Le secret, c'est de faire partie des premiers clients. Les promoteurs ont besoin de 30 à 50% de réservations pour lancer la construction de leur programme de logement neuf. Les premiers acheteurs sont donc souvent en position de force pour négocier le prix
ou des prestations supplémentaires. Il est également aussi intéressant de chercher ce qu'on appelle les queues de programme. Ce sont les derniers appartements invendus que les promoteurs vendent généralement à prix réduit. Pour finir, passons à la question de Joséphine. Si je suis livrée dans 2 ans, quand est-ce que je commence à payer ? C'est la banque qui débloque les sommes au fur et à mesure des appels de fonds du promoteur. Par exemple, pour un appartement, 35% du prix du logement est payé une fois les travaux de fondation achevés. 70% une fois les toitures posées. 95% une fois la construction achevée. 100% lors de la remise des clés si le logement est conforme au contrat. Pendant la phase de déblocage, vous ne payez que les intérêts sur les sommes débloquées et les cotisations d'assurance emprunteur. Une fois le logement livré, vous commencez à rembourser le capital. Pour la construction d'une maison, il y a quelques étapes en plus, mais la logique de déblocage progressif reste la même. Avant de nous quitter, voici ce que vous pouvez retenir pour l'achat de votre résidence principale dans le neuf. Prenez rendez-vous avec votre conseiller bancaire pour déterminer votre capacité d'emprunt. Faites la liste des pour et des contre pour un achat immobilier dans l'ancien et dans le neuf. Et si vous optez pour le neuf, n'hésitez pas à demander à votre conseiller bancaire SG de vous mettre en relation avec un expert en immobilier de Société Générale Immobilier Patrimonial. Et voilà, c'est la fin de ce 5 des experts sur la recherche et le financement de sa résidence principale dans le neuf. On espère que cette vidéo vous aura donné l'envie de vous lancer dans cette belle aventure. Merci de l'avoir suivi. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo.